Je suis tellement content que ce soit c'est pas moi. C'est pas possible, c'est pas possible. Olivier, désolé, mais... c'est pas possible. Si je l'ai fait, tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Tu fermes tes yeux, tu fermes ta bouche. Et pense à l'association. Allez, pense à l'association. Alors, vous rentrez là-dedans. Tu rentres dans la cabine. Le père, pour attaquer. Allô, allô. Il y a quelqu'un. Allô. Allô, allô. Agathe. Est-ce que vous m'entendez, Agathe? Oui. Oui, bah, gardez bien votre oreille collée au cornet, s'il vous plaît. Puisque vous êtes là, bah, je vais vous poser une énigme. Est-ce que vous êtes concentré? Grouillez-vous, je peux pas vous saquer, parfois. Alors, attention, concentrez-vous bien, Agathe. Parce que voici l'énigme. Pas rythmé et saccadé, elle peut être musicale, mais devient vite infernale au labeur de l'ouvrier. Qui est-elle? Allez, allez, proposez-moi des réponses. La symphonie? Ça n'est pas ça. En énigme, tu es forte, vas-y, ferme les yeux et la bouche et arrête de râler. Attention, concentrez-vous, je vous répète l'énigme. Pas rythmée et saccadée. Elle peut être musicale, mais devient vite infernale au labeur de l'ouvrier. On a fait peur. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Le rythme, je sais pas. Attends, mais ça va, il est pas tombé sur sa tête. Céline, je sais pas. Je l'ai pas, j'arrive pas. Alors? C'est horrible, les mouches dans le nez, dans les oreilles, c'est horrible. J'attends que tu te cries. Je peux pas vous saquer, père Foura. C'est trop tard, ma petite Agathe. Oh non, laissez-moi. C'était la cadence. Oh. Ah bah oui, ah. La cadence. Mais je raconte, j'allais partir. Mais oui, en effet, la cadence en tant que rythme musical, n'est-ce pas? La cadence au travail. Bon ben, moi je repars en cadence avec, avec mon indice. J'ai pas trouvé, j'y arrivais pas. Mais pourtant, on n'a pas dit que t'étais hyper bonne dans les énigmes et tout ça.